so we can live forever young. Follow the echoes of your soul to the edge of far beyond. But no matter where you go, let's be sure to make it on the last train to paradise. Allez, salut tout le monde, c'est Anywen. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo découverte, donc une vidéo qui va vous faire découvrir le jeu Path of Exile, je sais pas comment ça se prononce, vous m'envoyez vraiment désolé. Donc c'est la première vidéo d'une série de vidéos découvertes. En fait, j'ai pour petit concept de vous faire découvrir une fois par semaine environ, normalement si je tiens bien le rythme, une fois par semaine un jeu que vous ne connaissez normalement pas. Donc souvent ce seront des bêtas, vu que ça sera des jeux plutôt neufs, je l'espère. Par exemple, celui-ci, c'est Path of Exile, je l'ai déjà dit. Il est sorti en bêta le 23 janvier 2013. Donc voilà, ils sont vraiment neufs les jeux que je veux tester. Et s'il y en a qui sont pas neufs, ça sera normalement des jeux que vous ne connaîtrez pas. Et si vous les connaissez, tant mieux. Ça nous permettra de voir dans les commentaires si vous avez des petites anecdotes sur le jeu ou des petits trucs sympas à faire partager à tout le monde. Donc ce jeu est un Diablo-like, on va appeler ça comme ça. Donc c'est un jeu qui ressemblait étonnamment à Diablo 3 et à Diablo et aux autres Diablo, et donc il va me permettre de commencer cette petite série. Donc on va choisir, ici je vais créer mon premier personnage. Donc la vidéo aura un format entre 20 et 30 minutes je pense. Je mets en défaut, voilà, normalement tout est bon. Create pick a class. Alors witch, they were right to fear me. If only they had listened to their cowardice. Had they not taken my home with fire, I would not have taken their children. Now I'm banished to Rayclass. He had it coming. Duelist. Was I supposed to bear such insults with an action simply because of his high birth? Okay. Ranger. You can't own a life, not a deer's, not a rabbit's, and not mine. Every soul has a birth given right. I am a warrior. Bon, voilà le beau, hein. On le reconnaît, hein. Il est né pour se battre. I was born to fight. Raised to defend my tribe. A simple job. Shadow. Ok, ça doit correspondre au rogue dans beaucoup de jeux. Et le templier. Moi je propose, j'espère que ça pourra plaire à tout le monde, que je commence avec le rogue. Enfin, on va l'appeler ça, on va l'appeler comme ça, le rogue. Donc on va aller en mode défaut, ouais. Et on va l'appeler Anywen, voilà. Et c'est parti. Quoi? A character with his name already exists? Oh, c'est pas juste. Bon, Anywen. Vidéo. Hop, on est parti. Le mec qui a pris mon pseudo, ça me dérange pas. Tout ce qu'il veut. J'espère que c'est un jeu qui va vous plaire, honnêtement. Moi, je pense que c'est un jeu qui va me surprendre, parce que ça fait longtemps que j'ai pas essayé de jeu, donc on va voir. Je vais essayer de garder un avis neutre aussi sur tout le monde du jeu. Même si s'il est vraiment bien, vous ne pourrez pas m'empêcher de le faire remarquer quand même. Je comprends l'anglais, mais j'ai du mal à le traduire, je sais pas pourquoi. Ça, c'est ma première quête. Allez, bim. Voilà. J'espère que j'ai sauvé la vie. Bon, il y a un mec qui pose une question là. Dans le chat. Ok, donc maintenant on va se déplacer un peu, on va voir un peu. Donc déjà niveau graphisme, ce que j'en pense, c'est que c'est pas si moche. L'animation d'attaque est moyenne.
j'ai vu mieux, c'est pas grave. Hop, on est parti. Là, il y a des zombies de partout. Donc j'ai vu qu'il y a mes potions en 1, 2, 3, 4, 5. On va voir un peu à quoi ressemble le jeu. Honnêtement, je suis très curieux. Je me suis inscrit à pas mal de bêta, donc vous inquiétez pas, normalement, il y aura du contenu. Tac, tac. Tac, bim, et bim. Allez, mange toi. Oh, il y a des coups critiques. Bon, tu mets n'importe quel jeu avec des coups critiques. J'ai l'air étonné. Là, je sais pas où je vais, hein. J'explore, donc y'a rien dans les... Ça ressemble beaucoup à Diablo 3, mais on voit quand même les petites subtilités du jeu qui font qu'il est un peu différent. Déjà, c'est un jeu qui a l'air d'être beaucoup plus stable au niveau performance pour les ordinateurs. Vu que là, voilà quoi, j'ai pas un seul petit freeze de rien du tout, alors que sur Diablo 3, c'est une misère à filmer. Même si c'est un excellent jeu, il faut l'admettre. Surtout qu'ils vont intégrer le PVP. Maintenant que... Vous pouvez aller voir ma vidéo d'ailleurs, Diablo 3, votre avis. J'explique pas mal de choses sur le jeu, comme quoi il était pas complet et tout, mais maintenant ça va être changé. Tiens, j'ai up d'un niveau. Nice. L'animation est pas toute moche, donc voilà. One puff, donc là j'ai un passif. On frappe, non, ouais. On frappe juste après. Tac. Alors, tac, tac, tac. Attaque speed, j'ai une vitesse d'attaque augmentée de 6%. Et les sorts ont une valeur d'attaque de 10%. Oula, les sorts attaquent 10% plus fort. Donc je vais prendre ça, je pense que sur un rock c'est le mieux. Après, bon, je suis pas un pro du jeu. Bon, ça se voit pas encore trop, mais c'est normal, c'est que 6%. Oula, ça va être chaud ça. Dim, dim. Je vais aller voir ma quête si j'en ai une après, m'étonnerait. Notre ami s'est fait bouffer. Alors, open the option panel, open the inventory, inventory. Voyons. Ah tiens, j'ai des armes. Ah, voyons. 3, 11, 6,2 attaque pour ça. C'est la même. Est-ce qu'on peut la mettre là? Oui, nice. Ouais. Ouais, on va la mettre. On va changer un peu. Mettre des armes un peu différentes. Est-ce que je l'ai jeté par terre? Oh, ok. Double strike. Alors ça c'est quoi? Je découvre avec vous, hein, je vous préviens. Donc les vidéos tests c'est autre chose. J'en ai fait pas mal sur mon ancienne chaîne, j'en referai, ne vous inquiétez pas. Donc là quand je découvre c'est en même temps que vous. Ok, ça ça permet. Ok. Pas trop compris. Ça permet de balancer deux attaques rapides sur un ennemi. Avec mon... Avec ma... Ah c'est une gemme, ok d'accord. Ah ok. Je suis mauvaise langue. Je dis que je comprends rien mais en fait je comprends. Alors j'étais en train de dire que je voulais voir ce que je voulais voir. Alors ma quête est là-bas, on va y aller. On va y aller. Donc ça a l'air d'être assez dur quand même. Vous voyez la vie déjà que j'ai perdu. Oula, c'est qui lui? Ouais, j'y vais. Bim, boum, bim, bim, boum. J'ai des potions, Jules. Tu peux rien faire. Je sais pas ce que c'est ce sort là. Double strike. Je bouffe toutes mes potions par contre. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que ça fait. Ah ok, clic droit. Oula, je suis un pied moi. C'est tout bête en plus. Open the inventory. Allez hop, toi. Ah, c'est vous, je sais que je peux pas le mettre ça. Il faut 14 de dextérité pour pouvoir le mettre. Je pense que je n'ai pas encore. Eh merci, tu m'as ouvert. Je fais des... Voilà, parfois je dis des trucs comme ça. Merci, tu m'as ouvert. Ils sont avec moi, ils ont l'air d'être à poil un peu. Welcome to our home away from... Donc je passe les dialogues parce que de toute façon j'ai envie de découvrir le jeu par moi-même. Oh yes. En fait les sorts ont l'air d'être sous forme de... Je prends une bleue parce qu'il y a déjà une verte. Sous forme de gemmes comme ça sur qu'on met sur notre arme.
Ça a l'air sympathique, franchement. Je suis intrigué. Ok. On est parti, donc on va voir sur notre map comme d'hab. La map, c'est très important, quel que soit le jeu. Entering, c'est parti. N'hésitez pas franchement à donner votre avis dans les commentaires de ce que vous pensez sur le jeu. Je voulais pas. Excusez-moi. Pour que partager son avis dans les commentaires, c'est pas mal. Ça permet de voir si vous avez aimé la vidéo, etc. Y a pas que ça. Voilà. Si vous voulez demander de l'aide à d'autres personnes et tout. Je sais que ça se faisait beaucoup sur mes anciens tests. Sur notre chaîne, les gens demandaient beaucoup de l'aide. Je trouvais ça sympa. Ouais, donc voilà, je vous dis, ça se fait sous forme de gemmes. Donc je clique. Donc ça a l'air d'être franchement cool. Bim. Je pense que ce jeu est vraiment très intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le dis encore une fois. Hop, on va voir après. Pas du hit and run. Kite. Elle est vraiment bien cette gemme. Vraiment bien. Alors open inventory. Ah, une hache. 5, 10, 4, 8. On va la mettre. On va la mettre. On est parti. Je prends ma potion. Donc c'est des potions qui ont l'air de se recharger. Pas mal. Pas mal comme concept. Hop, hop, hop. Je sais pas quand est-ce que le jeu sera disponible hors bêta. À moins que je dise une grosse bêtise et que c'est pas en bêta, mais je suis quasiment sûr, quasiment persuadé même. J'ai lu ça 4 fois. Donc après si je l'ai mal. C'est une bêta, je suis quasiment sûr. Oula, je me suis fait pas honnête. Je me suis fait exploser. Ok. J'étais là et je suis mort. Et je crois que c'était pas sa maquette hein, mais. Je suis actuellement là. On va essayer de se déplacer là. Le personnage marche un peu bizarrement, c'est vrai. Mais regardez, quand je marche et tout sur l'arbre, ça bouge, c'est bien modélisé. On comprend vite le jeu. Donc on va les kiter parce qu'ils me suivent. Je crois qu'il faut buter ce magicien d'abord. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, j'ai un coup. De la merde. Bim. Crève. Tu vas mourir. Bim. Click to level up. Ok, pas mal. Donc là j'ai augmenté cette attaque, ça va être c'est stylé. Donc les gemmes augmentent avec, avec le personnage. Ça c'est du jamais vu je pense dans les hack and slash comme ça. Comme quoi ils peuvent pas dire que c'est une simple copie de n'importe quel autre jeu. Ça aussi ça a l'air de deal pas mal de dégâts. Le feu est bien fait. Je remarque tout hein. Tac tac tac, barrel. Ouais, c'est, par contre c'est dommage qu'il n'y ait pas l'animation de quand on frappe parce que voilà, il s'ouvre un peu aléatoirement. 3, 11, 3, 11. C'est la même. C'est quand on l'air armor 5, 6, c'est là, armor 6. C'est les mêmes. Bon voilà, je renouvelle. Hein. J'ai pas envie de mettre l'arc, j'ai envie d'y aller comme ça. Alors voyons, ça c'est la map, ok. Ça a pas l'air d'être là ma quête, j'ai l'air de faire de la merde. J'ai perdu. J'ai totalement perdu. Mais bouger. Je sais pas où il faut aller. Ça m'embête d'ailleurs. On va retourner à la ville. Peut-être que j'ai une quête à valider ou quelque chose comme ça. Still alive, are we?
J'ai pas l'air d'avoir une cape. Walls of the Soul Room. Non, non, il y a l'air d'avoir qu'un seul autre endroit où on peut aller. Donc on va y aller. Je sais pas comment ça se fait. On va voir. Comme vous pouvez le voir, ça a l'air assez compliqué quand même comme jeu. Les monstres font très mal dès le début. Oui d'ailleurs, j'avais 2-3 trucs à vous dire. Déjà, comme vous pouvez l'entendre, j'ai changé de micro. Donc j'ai pris un micro spécial pour filmer. Donc pour que vous m'entendiez bien et qu'on n'entende pas un souffle permanent ou des grésillements, etc. Donc j'ai préféré changer, histoire de vous proposer un contenu encore meilleur. Ensuite, Eldre, comme vous pouvez le voir, Eldre est très actif sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Vraiment, on passe. Franchement, si vous. Ça vous prend quelques secondes et juste au moins cliquez pour voir parce que franchement. C'est vraiment pas un mauvais commentateur, on est. Je suis fier qu'on ait ça sur notre chaîne parce qu'on est une des seules chaînes à avoir un playthrough complet sur Mist of Pandaria. Et sur Age of Empires 3. C'est très rare de trouver des chaînes qui proposent du contenu comme ça. Et bien commenté, encore plus rare. Donc c'est mon avis après. Voilà, click to level up avec plaisir. Ça a l'air de faire plus mal, oui, effectivement. Par contre, le mana, ça part vite, hein. Avec cette attaque bof. Ouais, je vais tester un truc. Ouais, faut spam quand même, hein. On va pas se leurrer. C'est une bonne zone, quand même. Hein. Bim. Alors, on increase movement speed, bof, 10 dex, ça m'intéresse. Et je suis niveau 3, qu'est-ce que je fais? J'essaie de taper encore plus. Open de microtransaction stash. Non, ça c'est tout ce qui est transaction tech. Ça, il me manque encore un tout petit peu de dex pour le mettre. Je pense que ça me rendra un peu plus résistant, parce que là je suis un peu à poil quand même. On voit quand même que le jeu est récent. Il est bien foutu. Même graphiquement. Donc là en fait j'utilise le clic droit pour lancer. Le clic gauche pour lancer mes attaques normales. Enfin mais on. Mon auto-attaque. Mon clic droit c'est ça, genre, je vais vous les montrer. Ok, elle a l'air dangereuse, on va la tuer. C'est ça mon clic droit, voilà. Et mon clic du milieu, c'est ça. Ça me permet de kite pas mal et de faire des attaques de zone. Et c'est un peu dur quand même à contrôler. Le seul truc que je peux lui reprocher c'est ça. À ce jeu pour l'instant. Quoi d'autre? Ah bah oui, le jeu n'est pas encore en français. Vous m'en verrez, désolé. C'est pas vraiment dérangeant vu que c'est un hack and slash, c'est un peu bourrin. Voilà, on tape sur des mobs et pas 30 000 choses à comprendre. Et c'est comme si vous mettez Diablo 3 en anglais, vous comprendrez, hein, je vous l'assure. Même des jeux plus stratégiques comme League of Legends en anglais, vous comprendrez. C'est pas de l'anglais soutenu non plus. Voilà. Donc je sais pas où il faut aller. Pour l'instant, je tape des monstres. Après, j'irai peut-être voir les options, tout ce qu'on a comme sur notre interface. Ça a l'air d'être bien complet. Bim. J'ai plus de mana. Prends une potion. Bim. Voilà. Je sais pas où est ma barre. Ah si, elle est là ma barre d'XP. Ok, intéressant. Je découvre. Le mec est là, tu sais. Elle est où ma barre d'XP? Ah bah elle est là. Allez. On bait. Enfin, on kite, pardon. Ça adapte vite quand même, hein, contrôle. Je pense que c'est un jeu qui plairait à Eldre, ça. On est vite oum, hein. Donc voilà ce qu'elle rend la potion de mana.
Lol. Allez, on va se balader dans l'eau. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Ah non, il y a une limite là. On la voit pas, une limite invisible. Peut-être qu'il y a une compétence pour nager, hein, je sais pas. Bim, boum. Ah. C'est ça, rend, ça fait plaisir de buter du monstre comme ça. Sans rien comprendre. On les one shot carrément quoi. Bim. Bim. Ah, peut-être que j'ai trouvé la map où il faut que j'aille. Je sais pas. On va voir. On peut changer nos raccourcis clavier, bon heureusement d'ailleurs. On peut même faire le coup du... On peut pas changer. Alors je voulais voir la monde. Donc ok, là je suis dans un... Dans un monde différent. Waypoint, waypoint, qu'est-ce que ça fait? Ok. Ok, je comprends pas tout. Gros plout, c'est qui? Le gros noob qui comprend. Ouais. C'est quoi? Bim! Résiste au froid? Ah, c'est pas bon ça. L'attaque de froid, ouais, c'est ce que je pensais. C'est bleu, c'est froid. C'est rouge, c'est feu. Donc peut-être qu'il n'y a pas exactement des quêtes à suivre et tout, ça se trouve c'est juste de la balade. Et oui, j'ai oublié de vous indiquer un truc, j'oublie des trucs parfois. C'est un jeu multijoueur. C'est un jeu multijoueur, donc on peut jouer avec ses potes, ça doit être bien marrant de défoncer du monstre comme ça, entre potes. Vraiment, pour les joueurs de Diablo, à qui ça les saoule de farm tout le temps sur Diablo, etc. Bah, un jeu à tester, voilà. Voilà, donc je fais la petite vidéo, je vous montre pas tout quand même. Pas tout spoil non plus. Heureux, donc c'est une petite ellipse qui a duré un tout petit peu de temps pour moi, un peu beaucoup, un peu moins pour vous. Normal. Donc la vidéo va bientôt se terminer, hein. Je peux pas tout vous montrer. Tac, on va mettre les points skill. Voilà. Donc je vais vous montrer 2-3 trucs et après on se laissera. Parce qu'il faut se laisser. Petit freeze, oula. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Team. On va mettre la synchro verticale s'il y en a une. Tout petit freeze comme ça. Donc il y en a une, j'ai déjà mis. Allez, on va voir l'interface et on se laissera. Damn. Donc je sais pas exactement combien de temps ça a duré, mais je pense que ça a fait le format que je voulais. C'est un jeu qui est vraiment à découvrir, franchement. C'est un jeu qui a l'air vraiment d'être cool. Cool à jouer entre potes, il faut absolument que je teste. Pour l'instant c'est un peu ennuyeux, mais bon c'est que le début, hein. Faut pas faire ça sur un premier. Faut pas dire ouais c'est nul alors qu'on a vu même pas 1% du jeu. Donc voilà, ici on a les stats de mon personnage. Chance to hit, bah oui, alors 91% de chance de toucher, heureusement. J'imagine pas si j'avais moins. Physical. Ok, ici il y a d'autres indications. Donc c'est tout sur les skills, c'est pas mal. Pas mal du tout. Ensuite, open de passive skill, ça je vous l'ai déjà montré. Donc l'arbre de talent a l'air vraiment, vraiment, vraiment complet. Regardez tout ce qu'il y a, voilà, si je dézoome. Bonne chance pour le remplir. je pense qu'il y a du chemin. Donc là il y a la map, les options. Ok, donc je pourrais tout changer, c'est tout ça. Il n'y a pas grand chose d'autre à vous montrer, je pense. C'est un jeu simple, mais qui va direct trop au but, quoi. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, ça vous prend que quelques secondes. Nous, ça... Je rip. Ça vous prend que quelques secondes et nous, ça nous fait extrêmement plaisir. Un petit like, un petit commentaire, voilà. N'hésitez pas, honnêtement, n'hésitez pas. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, chaque semaine, découverte d'un nouveau jeu vidéo ou un jeu que vous, en tout cas que vous ne connaissez pas, je pense. Et si vous le connaissez, comme je le répète, tant mieux. Voilà, c'était Aniwen pour Aniwen et Eldre Gaming. Ciao tout le monde.